From the day that I saw you, I knew that you were perfume. Cause the chemistry we felt that day felt so real and so true. Looking back at the years we spent together, how it's been, but we went true. Oh, we all end up sitting down, still weren't true. Baby girl, you're my love, my everything. I wanna lace you with diamonds and every ring. Ok, mon message aujourd'hui sera très court. C'est un message de confirmation. Ok? Un message de confirmation. C'est en train de devenir réel. C'est en train de devenir vrai. Tu me suis? Ta vie est en train de changer. Beaucoup d'entre vous, il y a de cela 6 mois et maintenant. Regarde un peu en arrière comme ça, tourne-toi un peu, tu regardes derrière. Mais qu'on l'ait en scanner, Georgette. Tourne-toi, tu regardes derrière. Regarde. Ta vie a changé. Les choses dont tu rêvais avant, que tu rêvais, que tu voyais les présidents. Je te rappelle. Bientôt, tu vas rester, on va t'envoyer la lettre. On va te dire, madame, vous êtes conviée à un dîner de gala avec la présidente de la République, avec la femme du premier ministre. Avec le premier ministre ou avec la première ministre. La fête, c'est là. Hein? If you believe it, you will see it. You don't see it before you believe it. Je vous connais. Vous aimez faire le Thomas-y. Que dame fait job. Je suis là pour te dire que le pouvoir que les gens avaient sur toi est brisé. Je n'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à écouter votre intuition. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé. Vous devez apprendre à séparer vos émotions, surtout les femmes qui me suivent. Séparez vos émotions de votre mission de vie. Ma chérie, laisse. Noël passé, là, tu demandais l'argent aux gens, non? Tu dormais chez ta tante, tu es parti fêter chez ta tante Noël passé, non? Bah, tu n'avais pas l'argent. Voilà ça que l'année, si tu as la voiture, tu as la maison, tu as ceci, tu as cela. Ma chérie, tu ne fais que commencer. Là, la conférence que je veux faire demain là, je veux ouvrir vos yeux. Je veux faire, on appelle ça en anglais impartation. Je veux que vous receviez votre puissance financière venant du ciel directement. Cette fin d'année, tu vaux 300 000, non? Tu as 300 000 à la banque, non? Fin 2023, tu vas te retrouver 100 millions à la banque, ma chérie. Dans le genre que tu n'avais jamais rêvé. Tu n'avais jamais pensé. Avant que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il envoie d'abord un prophète qui vous annonce. Il reste comme ça, il dit, il parle. Avant que Jésus ne commence, Jean-Baptiste est venu là bavarder. Oh, il arrive. Il ne peut même pas attacher ses lacets. Oh, préparez vos cœurs. Et quand il prêchait comme ça, Jésus était déjà là. Ce n'est pas quand Jean-Baptiste a prêché qu'on a accouché Jésus. Donc vous êtes les Jésus là, vous ne savez même pas. Vous attendez que quelqu'un vienne. Quand Jean-Baptiste prêchait, Jésus était déjà né. Il était déjà grand.
qu'avant, tu n'avais pas encore pris la décision d'être riche. Tu n'avais pas encore décidé que je vais être, que je vais. Je ne vais plus regarder les gens. Tu arrives chez quelqu'un, tu regardes son sol, tu regardes ses rideaux, tu regardes ses canapés, tu dis, hé, ils sont riches. Tu sais que même en Bengale, les riches, donc quand tu arrives chez eux, tu as ton salaire de 1000 euros, 1500, maximum 2000 euros. Tu arrives chez un couple qui est dans les 7000 euros le mois, comme ça, là. On dit, achète-toi, tu les chaises, tu regardes les chaises comme ça. Hé, les chaises en cuir blanc. Tu regardes, il y a la buanderie à qui a sa salle à elle seule. Il y a la salle de repassage. Il y a la salle où on met les chaussures des enfants. Il y a la salle où les enfants dorment. Ma chérie, ouais, 2023, les gens vont venir chez toi. On va voir ta voiture, tes voitures dans le garage. Tu as seulement eu une voiture en 2022, non? Te dérange pas. Quatre voitures arrivent en 2023. Oh. Oh my God. Je me rappelle d'exemple passé. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Je vois d'exemple aussi. Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows, now I am free. Because of Jesus, every day na shakara. Double, double, and every blessing. Les gens vont t'appeler béni. Tu vas dire, je m'appelle Jocelyne. On va dire que non, 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 tu t'appelles béni. Bonjour, béni. Acceptez seulement. On te dit bonjour, béni. Tu dis oui, me voici. Que me voici, Guillaume. Et je veux pousser votre. Vous devez rêver grand. On a trop bloqué vos rêves. On a trop bloqué vos rêves. Tchai. On te dit, tu te vois avec combien par mois? Bon, tu vois, comme je suis encore à 100 000 francs pour l'instant, si je peux avoir même 200 000, c'est bon. Hein? Mamie, 20 millions le mois. 20 millions! Et les gens qui vous mettent la peur là, ce sont les gens qui sont à côté de vous, qui suivent votre énergie. Moi-même, j'ai hâte qu'on soit demain soir. Moi-même, j'ai hâte. Parce que la délivrance qui va se passer. Vous savez que la délivrance, ce n'est pas niveau, non? Si tu es au niveau 3, tu vas arriver au niveau 29. Tu es au niveau 20, tu vas arriver au niveau 53. Tu es au niveau 50, tu vas arriver au niveau 152. Je vous ai dit que la conférence va se passer en ligne. Moi, je ne fais pas trop mes publicités, vous-même vous connaissez. On va se connecter sur Zoom à partir de 20h. On va entrer dans la nouvelle année ensemble. Jesus is Lord. Je m'appelle en 2016, 2013 même. Je reste comme ça, je rêve. Je me vois avec la telle voiture, avec l'argent. Je me réveille. Je n'ai même personne dans mon entourage à qui je peux dire mon rêve. Parce que je regarde à gauche, je regarde à droite. Tout ce que je vois, les gens qui sont bloqués dans les petits boulots. Ah, tu sais, comme le social te donne 800 pounds par mois. Tu vas te plaindre encore pourquoi? Hein? On t'a donné la maison, non? La maison du social que tu paies à 350 pounds le mois, là. On t'a dit que c'est ça ton apogée. On t'a dit que c'est ça, t'as le but de ta vie. Te voilà dedans. Te voilà jusqu'à... Gne, 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 gne. Ils ne savent pas ce que Dieu t'a montré. Ils ne savent pas. Johanna, je ne suis pas en train de vous motiver. Je ne suis pas en train de vous motiver. Comme je vous parle là, ma vie change. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, que leur vie change. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Que vous m'écoutez comme ça, votre vie change de jour en jour.
Vous n'avez pas besoin de venir me dire, ne me dites pas. Moi, je sais. Et tout ce que vous recevez là, Dieu va me donner la récompense de ça. Tout ce que je brise dans toi, Dieu multiplie, il donne chez moi. Que tu me dises ou pas, donc ne te dérange pas. Si tu ne veux pas que Dieu me donne un petit... C'est comme la pyramide, non? Quand tu amènes dans l'entreprise, chaque truc que tu gagnes, on donne sa part sur ça. Si tu ne voulais pas que Dieu me donne, ne réussis plus. Mais comme tu ne peux pas t'empêcher de réussir, toute ta réussite, Dieu donne ma part sur ça. Amen, si tu ne rêves pas, tu sors de mon direct. Oh, tu as compris. Takanam. Oh, you are. Takanam. T'aime Dieu. Oh, you are. T'aime Dieu. Takanam. Sors, tu me laisses tranquille. Je vous ai déjà dit que mes vidéos, ce n'est pas pour tout le monde. Même demain, là, si quelqu'un arrive dans l'atmosphère, là, on commence la conférence, il commence à faire son énergie bizarre. Je te retire, je t'envoie ton argent. Je dis, pardon, ne viens pas gâter. Ne viens pas gâter. Quand on va commencer à voir comment à la fin d'année, on va mettre 500 millions sur le truc, sur le terrain. Toi, tu vas commencer à dire, ah, tu sais, on va faire comment? Est-ce que c'est même possible? Je ne veux pas, oh. I don't want it, oh. Unbelievers. Je ne veux pas les unbelievers demain. Vous-même, vous vous connaissez, donc beaucoup d'entre vous n'avez même pas osé m'écrire. Tant mieux. Je vous bénis. Les unbelievers. Restez à distance, Decepticon. Ce n'est pas tout le monde qui regarde mes vidéos qui est choisi. Hein, il vous dit. Avec votre esprit qui ne croit en rien là. Vous êtes comme les zombies. Quand on te dit que Dieu va te bénir, voilà ça. Ah, mais tu ne comprends pas. J'ai vu dans le rêve, une femme est venue m'a poursuivi. Oh, le chien est venu, il a fait comme ça là. On te dit que ma chérie, reçois. Non, comment tu es su? Hé! Hey. Ah ah! Ta bénédiction va venir de partout. Il me disait même l'autre jour que même les clients, le client vient, il dit que j'étais gardé ça, voilà, c'est pour les enfants. Le client dit que voilà l'argent de ta bière. Le client, hein, même pas le patron, le client. C'est comme ça que la bénédiction la poursuit de partout. Quand tu es béni, tu ne cherches plus. Seigneur Jésus, oh Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction, tu peux rester comme ça aujourd'hui. Tu as 5 000. L'Esprit te dit, couche-toi, tu dors. Oui, l'Esprit te dit, couche-toi, tu dors. Tu te couches, tu dors. Tu te réveilles, quelqu'un te dit, oh, envoie-moi tes détails, je vais t'envoyer 1 million. Pour rien. Pour rien. Vous pensez toujours qu'on doit travailler pour recevoir l'argent. On doit travailler pour recevoir. J'ai une personne qui a collaboré avec moi une fois. Et la personne était tellement chiche. Oui. Je reste quand elle paye ma dîme à côté de la personne regarde. Quand j'ai fait telle chose, la personne regarde. On fait les deals, je sors pour la personne de deal, je lui donne. La personne ne paye pas sa dîme. Je dis toujours à la personne que tu es en train de. Tu te moques de toi-même. Un jour, quelqu'un vient me donner un cadeau. J'étais. Bon, vous savez vous-même, non. Vous m'apportez les whisky, vous m'apportez les ceci, vous voulez me saouler. Hein? Les sacs à main, oh. Les chaussures, oh. Les parfums, oh. Mon amour, il y a plein de parfums. Gentil, what, quoi là, Mukendi. C'est comme ça que vous êtes pauvre. Gentil, Mukendi, là. Tu es pauvre, pardon, quitte de mon direct. Oh, you are. Tu ne comprends pas mon patois. Mon patois, ça veut dire que tu as compris. Tu es pauvre. Tum, sors. Tu as compris. Quand il voit ton commentaire, c'est le commentaire des pauvres. C'est le pauvre qui vient toujours dire que donne-moi encore un peu, donne-moi encore un peu, donne-moi encore un peu. Et il ne donne rien en échange. C'est comme ça que le pauvre agit. Parce qu'il pense que c'est les autres qui ont. Qui n'a rien. Donc cette personne, si chaque fois j'observais la personne. Donc, je suis en déplacement. Quelqu'un arrive au bureau. Les gens m'envoient même la viande. Une femme l'autre jour m'a envoyé les pattes de bœuf avec le nkanda.
Oh, ça m'a dit que ouais, mes followers aussi là, vous allez me gâter. L'autre m'a envoyé le kilichi. Merci beaucoup pour le kilichi que tu m'as envoyé, mamie. Je sais pas qui tu es, merci pour le kilichi. Merci pour les pâtes de bœuf, mamie. Merci. Gonne, feu. Oh, you are. Donc la personne arrive, la personne venait de l'Europe. Viens avec mon cadeau. Donne. Quand moi je reviens du voyage, la personne ne me dit pas. Hein. Je continue ma vie. Après, la personne là me dit, celle qui m'a donné le cadeau, est, que ouais, je m'excuse, le cadeau était tout petit, mais bon, tu vois, la prochaine fois je ferai mieux. Je dis, non, non, ne te dérange pas. Elle dit que tu as vu. Je dis quoi? Elle me dit telle, telle chose que j'ai donnée. Je dis, mais je n'ai pas reçu. Je lui dis, attends, je me rappelle. J'ai vu dans le casier de l'autre personne quelque chose comme ça. Je dis, waouh. La personne me dit que non, je prenais pour te donner après. Je voulais encore bien emballer ça. J'ai dit que yay. Nawiti. On fait ça, Adama. Beaucoup de personnes vont vouloir voler votre bénédiction. Mais quand la bénédiction est sur toi, c'est comme la sangsue. Tu fais n'importe comment, ça ne quitte pas. Tu fais comme ça là. Tu fais comme ça ne quitte pas. Vous êtes bénis. Même par erreur, on va te bénir. Quelqu'un marche en vous comme ça, il se trompe. Pop, il verse l'argent sur toi. Vous n'avez pas encore compris. You don't get it yet. Tu es béni. Tu es béni. Écrivez ici là, je suis béni. Je suis béni. Il y a des femmes qui ont déjà compris ça. Hein. Quand tu restes comme ça là, une situation t'énerve. Un jour, une femme me contacte et me dit que quand elle a voulu quitter son ex-mari, la maison qu'ils avaient achetée ensemble, là, ils avaient commencé à payer la traite. Elle a laissé ça à l'homme, elle est partie. La semaine où elle prend son appartement, l'État français se rend compte qu'on avait fait l'erreur parce qu'elle a un enfant handicapé, gna gna gna. On lui fait un rappel de paiement. On a donné 8 000 euros. La semaine où elle reçoit la clé de son logement, 8 000 euros. Elle dit qu'elle a aménagé comme une reine. Elle est partie au magasin, là, ça m'a choisi que je veux ça, 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 ça. Elle a aménagé sa maison. Elle dit que maman, comme tu me vois là, je n'ai jamais pensé à quelque chose que je n'ai pas eu. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissiez, vous passeriez plus de temps à réfléchir et à rêver à ce que vous voulez. Tu restes comme ça, là, quelque chose te pique dans le cœur que veux ça, c'est que, hein, que veux ça. Que je veux ça. L'esprit te dit que oui, veux ça, ma chérie, veux. Tu dis, ok, je veux alors la voiture là, je veux ça. Tu vois un peu, non? Que je veux. L'esprit te dit que veux, tu dis, je veux. Écrivez ici là que je veux. Je cherche la première personne qui va écrire je veux. Je vais voir. Les quatre premières personnes, je vais vous envoyer vos bénédictions déjà. Je veux voir la personne. Qui? Ruby Mbouli, je te bénis. Mado, je te bénis. Elsa Kamgem, je te bénis. Voilà. Dès que ton cœur veut, ça clique sur la chose qui clique. Les anges disent maintenant que allons, allons lui apporter ça. Allons lui apporter. Parce qu'il y a 2 semaines, quand Dieu t'a dit que libère 500 000, tu donnes à telle personne, tu as libéré à l'instant. Mais on ne t'a pas compris. Mais on ne t'a pas compris. On t'a pris pour une folle. Souvent, quand tu fais tes dons, les gens te prennent pour une folle. Regardez là, elle sort 500 000 pour faire le travail spirituel. Et souvent, tu fais même le travail là, tu rentres le soir comme ça, tu dis que tu ne ressens rien. Tu dis, ah, c'est moi qui ai sorti 500 000 pour aller faire ça. Moi-même, c'est peut-être que je suis bête. Après, l'esprit te dit que non, 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 elle a foi. Elle a foi. 3 jours plus tard, quelqu'un t'appelle et te dit, oh, j'ai un cadeau pour toi. Prends les 2 millions là. Prends les 2 millions là, tu prends.
Une semaine plus tard, tu sais, j'ai deux voitures dans mon parking. Si tu veux une voiture, viens chercher. Hein. Oh, vous savez, je ne sais pas pourquoi je suis tellement contente. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive jusqu'à. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ouh, Seigneur. Tu vois, quand tu restes à la maison, tu es contente seule, non? Tes enfants disent, maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Tu danses seule à la maison. Maman, 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 c'est quoi? Tu danses seule. Tu commences la danse quand on va livrer la voiture. Tu vois la danse que tu vas faire quand on va livrer la voiture, non? Il y a une danse de la voiture. Chaque voiture que vous voulez doit avoir sa danse. La danse de la Mercedes, la danse de la Bentley, la danse de la Jaguar. Vous parlez même de quoi? La vie est beau. La vie est beau. Je me rappelle quand mes bénédictions ont commencé. J'étais dans un appartement où je n'avais pas de lit. J'avais le matelas que j'avais lancé au sol. Je n'avais pas le lit. Donc je reste comme ça là. Je vois la reine. Elle vient dans le rêve. Elle me dit, voilà ma chérie, tes bénédictions vont s'étendre. Elle me montre tout ce qu'elle me donne. Premier jour, je reste comme ça là. J'avais un endroit au pied de mon lit. C'était une sorte d'hôtel où je déposais les sous quand je rentrais. Mon compte Orange Money et MTN Money. Je quitte de 5 000 qu'on m'envoie par jour à 100 000, 200 000 par jour, 300 000. Je rentre le soir comme ça là. Premier jour d'abord, je dépose 100 000. Deuxième jour, au bout de 6 jours, j'étais à presque 1 million au sol. Et en moins de 2 semaines, mes comptes ont commencé à passer les plafonds. Tu vois, les plafonds que. Avant, MTN ne m'écrivait jamais pour me dire, vous avez dépassé votre limite de transactions mensuelles. Ou bien encore, vous avez atteint le plafond maximum de quoi là? De quoi là? Je ne peux plus recevoir l'argent. Il y a souvent des trucs comme ça qui disent. Les beaux messages. Ça, ce sont les beaux messages. Quand tu commences à recevoir des messages, tu sais que tu es arrivé. Tu es arrivé. Un jour, je reste censé voir l'argent au sol. C'était tellement beaucoup. Je dis que, hey, I need to do something with this money. Il faut que je fasse quelque chose avec cet argent. C'est quoi ça? Quand ma fille entre dans ma chambre comme ça, elle regarde le sol. Elle regarde l'argent au sol. Il dit, yeah, maman, tu es riche. Il dit que ma chérie, là, ce n'est que le début. This is not money yet. We haven't started. On n'a pas encore commencé. Mais surtout, je lui disais que tu te rappelles quand je travaillais, je faisais mettre jusqu'à dormir au sol là, je faisais. Tu te rappelles? Il me dit oui. Et j'ai compris que quand ta bénédiction, c'est pour toi seul. Tu peux prier, tu peux travailler sur tes enfants. Mais si ton enfant veut être un cougnat, s'il ne veut pas avancer ou bien s'il ne veut pas activer sa propre bénédiction, tu ne peux pas le forcer. Je dis toujours à mes enfants que, entre deux jets privés, je vais souvent venir vous visiter. Si tu vis dans une chambre avec ton gars et tes 4 enfants, je vais venir vous visiter dans la chambre. Parce que c'est toi qui auras choisi. Ceux qui demandent seulement le mariage, vous devez voir plus grand que ça. Demain, je veux vraiment. Parce que moi, j'ai compris en fait que je suis arrivé à un moment de ma vie où les projets que j'avais, ils ont commencé à tous se réaliser en l'espace de 6 mois. Ça fait ta 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 ta, ta ça s'aligne. Je dis, hey, hey, hey. Si tous mes projets finissent, je vais projeter quoi? Je vais rêver quoi? What? Je vais encore vouloir quoi, Seigneur? Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de grands projets. Oui, votre problème, c'est la petite vision. Votre vision est petite. Moi, là où je suis là, je veux pousser le plafond jusqu'à voir ce que je veux voir ce qu'une petite fille badjounaise, là où elle peut arriver. Petite fille badjounaise de Tongan.
Quand je vais entrer à l'Élysée comme ça, là. Je vais porter le ndop le jour là. Hein. Comment m'inviter à l'Élysée? Oui. Je vais porter le ndop. Oui. Vous n'avez pas poussé le bouchon trop loin. Vous n'avez pas poussé. Quand tu auras la Range Rover, tu vas te rendre compte que, hey, après la Range Rover, c'est quoi encore? Souvent, je regarde un peu les voitures de Kim Kardashian. Et l'autre jour, je crois qu'elle avait. J'ai vu une vidéo l'autre jour où elle montait ses voitures grises. Elle dit qu'elle aime la couleur grise, gray, gray. Donc, elle avait une Rolls Royce gray, grise. Et elle avait trois voitures. Il y avait une Bentley, je pense. Ouais. Et là, quand je regardais ça, j'ai dit, ça c'est intéressant. This is interesting. Et si on ne rêvait pas seulement d'une voiture? Si on rêvait pas seulement d'un seul jet privé? Parce que le jet privé, c'est dans les 16 millions de dollars. Dans les 16 millions de dollars. Tu restes aux articles que je pars en France. Tu montes dans ton avion. Pas les trucs que vous voyez, les petites, nos influenceuses camerounaises dans les jets privés, là, c'est parce que leurs gars ont acheté. Parce que le gars a loué ça pour elle. Non. Toi-même. Toi-même. C'est pour toi. Tu payes les frais de garage à l'aéroport. Tu as ton propre hangar. Tu as ton hélicoptère. Tu as ton aéroport privé même dans ton village. Quand tu pars au village, tu prends ton hélicoptère, tu entres dedans. On fait 40 minutes plus tard, tu arrives à Badjoun. À quoi? On voit l'hélicoptère qui arrive à quoi comme ça là? Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Samuel et tout doit regarder tes vidéos comme ça. Il dit, mais la petite fille ici là, elle est insolente, hein? Regardez ce qu'elle fait. Pas que tu frimes, mais tu arrives à un niveau où tu dépasses les petites choses que les gens font. Parfois, on regarde l'argent de Samuel et tout, on dit, waouh, il a l'argent. Non, 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 non. Rêve même que tu vas avoir plus que Samuel et tout. Est-ce qu'on a dit que c'est lui le plafond? Oh. Il y a Rick Ross, si je ne me trompe pas, Rick Ross, le chanteur américain là. On dit qu'il a une villa, il a une maison que Universal Studios est venu pour louer pour faire le film. Il a refusé. Que sa maison, c'est le mal. C'est le. Voilà les choses que vous devez exposer votre esprit à ça. Ça doit entrer dans ta tête. Ça entre, ça pas rester sur le coin. Oui. Vous serez surpris de voir l'argent que. Allez à Denver, entrez dans les villas de Denver. Les gens ont l'argent à Denver. Tu es dans la maison de quelqu'un comme ça, tu crois que tu es dans un film américain. Tu crois que tu es dans un film. Mais vous parlez même de quoi? On te dit que seulement la maison où tu restes là, on sait, le mètre carré, c'est 350 000. Un mètre carré. Et il est sur 1000 mètres carrés. Donc, seulement là où tu déposes tes pieds déjà. Évalue un peu la plante où tu as mettre tes pieds. Combien de millions de francs CFA? Tu touches les chaises comme ça. On te dit que les chaises là ont été fabriquées en Égypte. Avec les poils des narines du chameau. On allait arracher les poils dans les narines du chameau. On est venu, on a mis sur le canapé. C'est ça qui a fait le velours qu'il y a dessus. Non, les riches ont les choses que tu regardes comme ça. Tu dis que yeah. Tu manques ce que tu avais fait avec l'argent. Oh. Je viens de mentir l'autre là. Les poils des narines du chameau. Ouais. Ça veut dire qu'on a dû épiler 1000 chameaux pour faire son canapé. Ou 2000 chameaux.
On a épilé les narines de 2000 chameaux pour faire son canapé. Je vais bien au Pérez. Je suis en mode dream. Demain, alors, ce sera la patate. Demain soir, moi, je veux un environnement où on va rêver comme des fous et des folles. On va rester comme ça, on va rêver les choses qui ne sont jamais entrées dans ta tête. Ça entre comme ça, là, tu dis que yes, I was born for this. This is my birthright. This is for me. I deserve this, que je mérite. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne pensez pas que vous méritez. Vous ne pensez pas que vous méritez. Ceux qui n'ont pas encore payé ma conférence, là, demain, je vais mettre ça à 20 000. Hein. Même 30 000. Oui. Vous aimez faire les dernières minutes, là. Demain, déjà, à 9 h, je vais demander à tous mes secrétaires. Le prix de la conférence passe à 25 000. Je ne blague pas avec vous. En fait, je vais vous chasser. Parce que la dernière minute, là, vous allez vouloir venir avec vos énergies décepticônes, là. Même 30 000, même. Beaucoup de choses que je dis, ça résonne avec vous. Parce que votre esprit déjà. Dingui Michel, je t'en prie, ne viens pas gâter mon énergie. Tu as des maux de tête, je m'en fous de tes maux de tête. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Beaucoup d'entre vous, ce que je dis, c'est quelque chose qui était là dans vous. Mais tu avais peur. Même de dire. Parce que tu ne savais pas. Tu ne savais pas un peu. Tu vois un peu, non? Je ne savais pas. Et si on me dit que j'exagère? Si on me dit que j'ai trop les longs yeux, c'est ça qu'on vous disait souvent. Que tu as les longs yeux. Ma chérie, rêve ta chose. Rêve. Rêve. Quand ça va se réaliser. Et le truc, c'est que quand tu rêves et tu as un bon cœur, les deux là font ça, clic. Rêve et bon cœur, clic. Pas les méchantosaures que vous êtes des Decepticons là. Jaloux là. Il y a des gens que vous rêvez. Hein. Ton bon cœur, c'est comme une lumière. C'est comme une puissance qui sort de toi ici là. Ça détruit tout ce que tes ennemis ont fait pour t'attaquer. Tout ce qu'ils ont fait pour t'anéantir là, ça détruit ça. C'est la puissance qui émane de ton cœur. It's very powerful. Yes. Big Bengu, la conférence c'est demain. C'est Fort Dieu. Demain à 20 h. 20 h minuit 30. Renstra. Particulièrement toi, je vais augmenter pour toi. Tu as repris donc, tu vas payer 30 000. Passy, ma chérie. Oh, ma chérie, moi là, je suis instable mentalement. Hein. Tu as compris? Je ne suis pas bizarre, je suis folle. Je suis folle, faut pas me suivre. Don't follow me. Tu peux venir, tu me vois, t'insulter, même, je te chasse. Tu as compris, Passy? Oh, you are. Je t'en prie, sors du groupe de prière. Je t'en prie. Que je ne te localise pas. Je vais t'enlever avant. Tu as compris? Je vous ai bien insulté cet après-midi. J'ai dit que vous êtes égoïste. Et je le dis encore même dans ce direct. Vous êtes égoïste. Tu as compris? Je vous ai... Moi, là, je suis folle. Hein? Je suis folle, oh, pardon. C'est pour ça que je vis seule. En tant que l'écho résonne dans ma maison. Tu entends? Ah! Voilà. J'aime mon espace seul. Voilà mes trônes là-bas. Tu vois, voilà mes trônes là-bas. Voilà ça. Parce que je veux pas m'asseoir là-bas aujourd'hui. Je n'ai pas à m'asseoir. J'aime ma maison. Je parle de quoi? Je suis folle, hein? Je suis folle. Je te dis moi. Je suis folle. Donc je t'en prie, sors du groupe. Vous sortez souvent. Sortez. Vous venez tester. Vous venez me tester. Ouh, ouh, ouh. Yeah, pardon, mamie.
Madame, je vous détecte, je détecte vos faux esprits là. Je deal avec vous sur le champ. Sur le champ. C'est parce qu'elle voit même ce que vous demandez. Elle voit même les petits trucs que vous demandez. On vous dit intercession. J'ai dit que 12 heures, c'est pour l'intercession. Donc si tu viens en après-midi, la veille d'abord, c'est-à-dire hier, j'ai mis le truc. Il y avait 50 personnes connectées. Je demandais que qui peut prier. Même pas une personne lève la main pour dire que je veux. Vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Parce qu'il faut demander encore bien mon fax. Va regarder mes vidéos. Va regarder mes vidéos. Je ne cherche pas les vues sur Facebook. Facebook ne me paye pas quand vous me regardez. Tu me comprends, non? Je ne cherche pas les vues. J'aime ma folie, ça me plaît. Avant que je faisais ma folie comme ça, je croyais que j'étais folle. Mais tu vois, un fou ne sait pas qu'il est fou parce que pour lui, il est normal. Voilà. Maintenant, j'ai accepté ma folie. Et c'est ma folie qui me rend comme je suis. Si j'étais pas folle, tu ne serais pas ici. Si je parlais comme tout le monde, si je parlais comme tout le monde, c'est que tu n'es pas là. Arrête de bloquer. Bye. Voilà. Il faut te quitter du groupe. Même le groupe là, il faut sortir. Vous ne me connaissez pas. J'ai fini avec ça. Je n'ai plus la pression de quelqu'un dans ma tête. Vous ne payez pas le loyer dans ma tête. Je suis là et fais mon show sur Facebook. Vous venez vous joindre à mon show pour prendre mon énergie. Je viens de faire mon show. Je suis contente, j'enjoye ma vie. N'est-ce pas? Catherine, je ne prends plus de nouveaux venus dans le groupe pour l'instant. Tu as compris? Faut attendre, je deal d'abord avec les Decepticons que j'ai dans le groupe. J'ai trop de Decepticons dans le groupe. J'ai envie d'enlever même beaucoup. J'ai trop de Decepticons. Donc, je ne prends plus de nouveaux. N'intégrez plus le groupe. Restez d'abord dehors. J'aime ma folie. Je peux me lever à 3. Un jour, je me suis levé à 2 heures. Dans le rêve, je me suis vu au bord de l'eau à Kribi. Je me suis levé à 2 heures, je suis parti à l'agence. Je n'ai pas regardé l'heure. Je me suis levé comme ça, là, j'ai pris mon truc, je pars, 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 pars à l'eau, pars. Je pars, j'arrive à l'agence. On dit, madame, il est 2h30. Les bus ne partent qu'à 5 heures. Je dis, hé. Quand l'idée vient dans ma tête, quand l'idée vient dans ma tête, I must act. Je dois agir sur ça. Folle et fière de l'être. Folle et fière de l'être. Like hashtag, you will not take my joy. Tu vois, donc hashtag, tu ne prendras pas ma joie. Tu ne prendras pas ma joie. Parce que les gens aiment contrôler les autres. Vous aimez qu'on vous fasse plaisir. Tu payes mon loyer? Hein? Do you pay my loyer? Do you put the carburant in my car? Hein? Do you? You do not? And I don't even know you. Je ne te connais même pas. Tu n'es qu'un nom derrière mon téléphone. Pourquoi ton opinion doit me déranger? Hein? Pourquoi? Tu as payé mes ongles que j'ai fait aujourd'hui? Hein? Tu vas me demander ce que je vais manger le soir avant de dormir? Parfois, vous donnez l'espace aux gens dans votre vie. Tu es là la nuit dans ton lit comme ça, tu as peur. Tu te Yay! Si demain vous vous réveillez, ma page n'est plus là, qui d'entre vous va me chercher? Mais la femme là, elle vivait à Makepe, non? Jusqu'à venir à Makepe, que la page est fermée. On écrit sur WhatsApp, ça ne passe pas. Elle est où? Elle va bien. Sur tous mes followers, j'aurai 0,00001% qui vont le faire. Donc pourquoi est-ce que je vais me déranger pour vous? Cardi, j'aime bien Cardi B. Cardi B me plaît beaucoup. J'aime souvent la regarder. Quand elle sort sa langue comme ça, là, elle fait des. Oh my God.
Acceptez. Acceptez. Acceptez votre richesse. Parce que quand tu vas commencer à avoir l'argent, ça va déranger les gens qui te critiquaient. Pourquoi elle est heureuse? Pourquoi elle conduit sa voiture là, ça lui plaît comme ça? Et... tu vois, quand tu mets la voiture, tu mets le son. Tu vois, quand tu as l'automatique, non. Tu passes pas le temps avec la main droite, tout ça, que tu coucou pour changer de vitesse. Tu mets seulement que D. Tu prends la main là, la main gauche, la main droite là. Tu déposes ça ici comme ça là. Tu t'inclines un peu d'un côté. Tu mets la main gauche sur le volant. Tu mets le baffle. Tu augmentes le volume. Ah! Seigneur! Quelqu'un te voit passer comme ça, le soleil de doigt est en train de le toucher. Ça l'énerve. Pourquoi la fille a l'argent? Put some respect on my check. Allez checker une vidéo de une musique de. Il y a la musique, ce qu'elle chante avec Jay-Z là. Eps. Eps. Allez écouter ça. Il y a aussi ce qu'elle chante avec DJ Khaled. DJ Khaled, Beyoncé et Jay-Z. Ils ont une chanson ensemble. Allez regarder la chanson. C'est le genre de son là que j'aime mettre dans la voiture. Tu mets bien le volume. Ça fait les boum, 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 boum. Tu dis. Un jour quand je travaillais chez Jaguar, ça fait 5 ans, 5 ans, oui. Un monsieur vient un jour, il nous dit, il avait une Jaguar J5, je pense. Une des dernières Jaguars là. Il avait une de 2014. On était en 2016. Et il vient et dit qu'il veut changer. Je dis, mais papa, ta voiture n'a que 18 mois d'âge. Et là, le monsieur, il a donné une raison qui m'a dit, wow, like, what the F is this? Bonsoir, la reine Rolande. Il dit, tu sais, je passe 8 heures par jour sur l'autoroute. Et j'aime me sentir à l'aise. J'ai sauvé une âme aujourd'hui. Tu vas m'expliquer après en inbox parce que toi, c'est là. Il me dit, j'aime me sentir à l'aise. C'est pour ça que j'apporte la voiture que j'ai achetée en 2014. Je veux qu'on me donne pour 2016. J'ai dit, hein? Il dit que je veux le confort. Quand je pars d'une... Il dit que je travaille dans une ville et je vis dans l'autre. Donc, chaque jour, j'ai au moins 4 heures pour aller, 4 heures pour rentrer. Je veux être à l'aise. I want to feel good in the car. I was like, this man is real. This is good. Donc, en fait, arriver dans une dimension où est... Il y a des souffrances souvent qui restent comme ça, ils font ça, mais... Je reste, on s'est dit que je ne veux plus. C'est bon. Quand elle parle comme ça, la semaine là, je vais acheter la chose là. Que ce soit, c'est comme ça que j'ai acheté mes voitures souvent, sous un coup de tête. Un jour, je me rappelle en 2019, je venais d'arriver à Douala. Je reste en... C'était au mois de septembre. Oui. Fin août, septembre, comme ça là. Tu veux me voir. Un jour, il a plu. Je vais dans un immeuble, je vais au quatrième. Et quand j'étais arrivé à Douala, je me disais, bon, je me suis donné des excuses pour ne pas avoir de véhicule. Un jour, je sors. J'avais rendez-vous en ville quelque part là avec un monsieur avec son entreprise. Je sors à l'heure du rendez-vous. Dès que j'arrive en bas, la pluie commence. La pluie fait chou, c'est la pluie de doigts là, non. Je force, je sors, je dis que je vais quand même monter un peu là-bas, j'ai trouvé la moto. J'arrive en route. C'est comme si l'eau là se versait que 100 000 mètres cubes par seconde. Ça commence, l'inondation commence, je force dans la pluie. J'arrive là où il y a l'eau, l'eau m'arrive au genou. Je vois une moto passe. Je supplie la moto là que je te donne 500. Porte-moi, tu me déposes en haut de la colline là-bas, c'est à 200 mètres d'ici. Il passe, il me toise, il part. J'ai dit, wonderful.
Douala et. C'était à Fingoudon, en Afrique du Sud. Il y a une colline là-bas comme ça. Dans la pluie, dans l'eau là, avec mes pieds dans le. Les, avec les, je me suis responsable de dire que je dois avoir la voiture. Le lendemain, le soir, je suis rentré. J'ai un ami qui est en Belgique. Je lui ai écrit le soir, il a dit que je veux une voiture. Il me dit, ah, tu sais, c'est bien, j'ai ma voiture au pays. Directement, combien? Il me dit le prix, tac. J'ai avancé l'argent. Le lendemain, j'avais la voiture. Le lendemain, il dit que c'était bon. Tant que tu ne te fatigues pas d'une situation dans ta vie, la situation va te regarder, tu vas regarder la situation. La situation va te regarder, tu vas regarder la situation. Tu vas souffrir, tu vas avaler la souffrance, que tu vas boire l'eau. Et tu ne mérites pas de souffrir. Hein? Tu n'es pas né pour souffrir. Tu es en bain là-bas, l'État te menace. Pour te donner 800 euros le mois, on va te faire venir signer. Madame, vous devez venir signer. Vous avez rendez-vous avec votre assistant social. Vous avez gna 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 gna. Partez avec votre argent. Quand ils m'ont coupé l'argent, je n'avais pas le choix. Quand j'étais en France, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas de choice. Du jour au lendemain, le mois où ils m'ont coupé, j'avais 800. Le mois d'après, j'ai eu 2000 euros. J'ai travaillé mes 2000 euros. Le mois qui a suivi, c'était à 4000 euros que j'avais gardé. C'est-à-dire, je mange, je vis, mais j'ai 4000 euros de côté. C'est là que j'ai compris que tant que tu ne dis pas non à une situation. Et avant ça, j'avais fait 6 à 8 mois, je touchais 860 euros le mois. Suis sorti dehors, j'ai commencé à hustle. Que c'est comment? Ou c'est moi, ou c'est moi. Une semaine, pam, 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 touche, tac, je mets 500 euros de côté. Après, je tac encore, tac, 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 pouf, je prends, mes 500 euros de côté. Après, je compte, je passe dans mon compte bancaire. J'avais un compte à la poste. Je vois mon compte bancaire comme ça là. J'étais tout dans les moins avant. Quand la CAF me donnait l'argent, j'étais dans les moins. Tu vois, tu gères comme ça de justesse. À la, gna, gna, gna. Et je me rappelle que le dernier mois, ils m'ont payé, j'ai payé ma dîme. Dernier mois, ils m'ont payé, j'ai payé ma dîme. Moi qui a suivi, j'ai commencé à payer ma dîme. Mof. Commencer les business, les ouvertures ont commencé. Ouverture. Vous parlez même de quoi? Vous ne vous connaissez pas. Vous vous simplifiez. On te fait chier. Parce que tout le monde valorise. Tout le monde a pris ça comme waouh, tu es arrivé en France. Waouh. On ne sait pas que tu souffres. On ne sait pas que comme ils voient que tu arrives en France, c'est là, tu es arrivé, tu as réussi ta vie. On ne sait pas que c'est les problèmes qui ont commencé. J'ai une de mes filles qui allait là, j'ai prié pour elle, on priait, priait, on a fait le lavage de blocage, elle est partie en Beng. Elle arrive en Beng, première semaine, pam, elle trouve un petit boulot. Elle s'est perdue dans le train un jour. Tout l'argent qu'elle avait travaillé au boulot là, elle a dépassé sa destination. Elle a encore sorti l'argent du travail, elle a payé le train pour rentrer. Donc elle est rentrée à la maison, elle avait 0 francs, 0 euros qu'elle a gagné de la journée. Elle a dit, yes, je confirme Beng. Que je croyais que quand je suis arrivée en Beng, j'étais arrivée. Elle dit, yes, parce que tu acceptes. You de acceptam. You de acceptam, you go continue to souffram. You go continue to souffram. Souffram, ok? Oui, we know go souffram. Souffrance de finisham. Il n'y a pas la souffrance dans mon frigo. Vous avez suivi. La souffrance est finie dans mon frigo. Je n'ai pas ça dans la moire. Je n'ai pas ça en boîte de conserve. Continuez là-bas, moi je ne suis pas dedans. Tu sors avec un homme. Dans ton esprit, tu sais que si il fait comme ça, il fait comme ça, là, on met ensemble comme ça, là, ta, 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 ça va donner ça. On va se retrouver au moins avec 5 millions par mois. Non, tu dois être obéissante. Hein? Tu es quel genre de femme? Gna. Je suis l'homme de la maison. C'est moi qui ai les balles, les balls, ou c'est balls, ou c'est balles, c'est pas. On fait quoi avec les balles s'il n'y a pas d'argent sur les balles? Les balles qui n'ont pas d'argent sont des balles vides. Hein. C'est vide. Tu appuies comme ça là. Laisse. Oh. Oh my God. Non, je ne sais pas l'inspiration que j'ai ce soir. C'est là. Je ne sais même pas d'où ça vient. Prêche, Jocelyne. Prêche. Preach. Preach, Jocelyne. Preach. I go preach. Oui.
Chaque mois, vous êtes là, vous souffrez dans les 500 000. Tu conseilles les gens, ils partent se faire 10 millions. Tu parles aux gens que fais comme ça, investissez comme ça, faites comme ça. Ils font 8 millions. Il vient, il prend 20 000, il te dit, prends ta billet avec. Tu es bête. Tu prends la billet de 20 000. Alors que tu as donné 8 millions à quelqu'un. Tu es bête. Tu as oublié. Parfois, tu restes comme ça, on te dit, il y a un nouveau business, on va commander tel produit de la Chine. Et on cherche un représentant au Cameroun. Tu tombes sur le truc, le business. Ton gars dit, ah, laisse les trucs là, ça c'est pour les femmes, c'est pour les chisas. C'est pour les femmes qui font le nyanga, le maquillage. Hein? Les micro-braiding, là, les trucs qu'on fait, les ça là. Je sais pas, les micro-needing, je sais pas trop moi. En tout cas, si vous connaissez, vous dites, vous écrivez là-bas. On dit qu'on cherche quelqu'un qui va vendre les produits là où les ring lights au Cameroun. Ça tombe d'abord sur toi. Ils te disent qu'ils vont t'envoyer la marchandise gratuitement. Ils ont un accord avec l'État camerounais pour t'envoyer les conteneurs. Cherche seulement le magasin, tu vends, tu envoies le pas. Ton mari dit, et les trois enfants, qui va s'occuper de nos enfants? Mais chérie, je vais prendre la nounou, non. Non, gna 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 gna. Tu as pris, tu as donné à ta copine, non. N'est-ce pas? Tu as donné à ta copine, non. Tu passes souvent dans son magasin, tu dis que c'est moi qui t'avais lancé, tu ne l'as rien lancé, mouf qui là-bas. Soit les chances qui viennent, vous ne prenez pas. Soit la chance qui vient, tu ne prends pas, tu n'utilises pas. Microblading. Oh, de tu es la gagnante. Microblading. Je n'aime pas le microblading, ça fait trop mal. Ich. Qui a inventé ça? C'est comme si quelqu'un s'est assis, il a dit que je dois trouver un moyen de faire mal aux femmes. Je dois trouver, il doit trouver. Dans sa méditation, il a dit, ah, on va les blesser. Je déteste le microblading. Micro-shading, peu importe comment vous appelez ça, ça fait trop mal. Non, je suis gentil. Je suis gentil, non? Tu portes le business, tu peux leur donner. Tu dis que tu es gentil. Tu es bête, tu n'es pas gentil. Tu es bête. La bêtise, ce n'est pas la gentillesse, ma chérie. You like to souffrir. Souffrez, you. You like to souffrir. You like the souffrance. Hmm? On te dit que ta pauvreté est finie. Tu es sûr? Qu'est-ce qui te dit? Comment tu es sûr? Qui t'a dit? Comment il fait pour savoir? Ouais. Ouais. Je veux que tu comprennes que tu as déjà dépassé le seuil de la pauvreté. Tu ne peux plus jamais revenir en arrière. Tu as compris? Remarque depuis 3-4 mois, quand tu as un petit problème, le jour où le problème sort, le matin tu as eu la solution du problème avant que le problème ne sorte. Tu as un problème d'un million, le matin quelqu'un t'appelle, il te donne 1,5 million. À 14h, tu as le problème d'un million. Ma chérie, vous ne comprenez pas encore vos pouvoirs. You don't understand. You know they get out. Il y a les seuils d'argent. Avant, quand tu mettais ton compte à 4 dans la machine, ta balance était toujours dans les 50 euros, 300 euros, 20 euros. Le soir, on te paye 2020 euros. Deux semaines plus tard, 70 euros. Maintenant, tu oscilles entre les 7 000 et 8 000 euros. Les montants que tu n'avais jamais entendus en 10 ans que tu as fait en Europe. C'est l'onction. Vous me suivez? Vous me suivez? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel rend riche et n'apporte pas de souffrance. The blessing of the Lord make it rich. It does not add sorrows. Donc ça te rend riche et la souffrance ne te connaît plus jamais. Parfois tu vas vous dire que mais c'est moi qui souffrais souvent comme ça. Tu
Tu penses souvent au montant que tu avant tu cherchais déjà le montant. Avant, tu voulais louer la chambre de 25 000. Tu vois, on te disait qu'il faut payer 10 mois. Tu dis 250 000. Ah, madame, vous ne pouvez pas baisser à 6 mois, s'il vous plaît. Aujourd'hui, tu prends la maison de 300 000, tu payes un an. Cash. Cash. Sans réfléchir. Tu pars au magasin en 2 jours, tu aménages la maison. Cash. Et ce n'est que le commencement. Hein. This God is too good. Oh. I will worship you forever. Love you forever because this God is too good. Oh. This God is too good. Oh. Je vais passer mon temps à vous dire. Je vais tellement vous dire qu'à un moment vous allez croire. Vous allez finir par croire que vous méritez. Parce que votre problème, c'est qu'on vous a tellement descendu. Vous avez été dans des relations où on vous a dénigré. On vous a fait croire que vous ne méritez pas d'acheter quelque chose pour vous-même. Que vous ne méritez pas de signer aussi un chèque de 5 millions. Que ça porte ton nom, que c'est toi qui signes. Je m'appelle quand j'ai dépassé le plafond de 1 million. Bah moi, mon argent n'atteignait jamais 1 million. C'est comme si on avait mis le blocage sur mon... Maman, je pouvais avoir en un mois, je pouvais toucher 200 000, en petit morceaux. Mais pourquoi je vois 1 million en un bout dans ma main comme ça là? C'était dur. J'ai passé le seul là. Après, passé le seul 2 millions. Après, comme ça, avec ça, ben, chaque semaine, ça augmentait seulement. Papa, je dis que... Donc, quand la malédiction là quitte comme ça, c'est fini. Donc c'est fini. Je me rappelle en janvier 2021. Je profite encore de 2022, comme il y a encore quelques jours. Donc, janvier de l'année passée, j'avais une dette de 150 000 à quelqu'un. Je lui ai demandé qu'il me permette de payer en 5 mois. Vous imaginez à quel degré j'étais. Quand il sortait 30 000 le mois dans mes finances pour donner comme ça, là, je suais comme ça, là. Février, je paye ma dîme. Tout a commencé. La dîme. Oh, la dîme. La dîme. La dîme, tu es qui? La dîme, qui es-tu? Tu es où? Tu es caché là-bas derrière la porte. La dîme, vient. Sors. Pour que la dîme, là? Et sors. Pour que? La dîme, oh. Oh, ha. Oh, yo, la dîme, ah. Non, je suis folle ce soir. Oh, my God. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh my God, je sais pas ce qui m'arrive. Soit je vous fais mon témoignage. Janvier, j'étais à 200 000 francs. Février, 200 000. Mais la différence, c'est que janvier, les 200 000 de janvier, c'était les dons. Les 200 000 de février, c'était plus mon business, donc le coaching que je faisais. Mars, je suis dans les 400 000. Plus de la moitié, c'est toujours mon travail, dont je travaillais. Fin mars, j'ai décidé d'imprimer encore mes livres que je vends pour les enfants là. Comment découvrir le potentiel de son enfant. Avril et mai, je fais des ventes de 1 600 000. En avril, 2 millions en mai. Alors qu'en janvier, je suis à 200 000 francs. Français, on ne déclare pas qu'on paye sa dîme, on paye seulement sa dîme. Tu as compris? On n'appelle pas dîme, on paye dîme. Oh, you are. T'as rien. Laisse madame dîme. Paye-la seulement. Je reste. Je vais même pas expliquer aujourd'hui. Si quelqu'un ne connaît pas la dîme, qu'il laisse. La dîme, sort, allons te voir, non. Tu es caché là-bas, pourquoi? La dîme. Attendez, la dîme arrive. Allez sur mon TikTok. J'ai une vidéo où j'explique ça. Quand tu passes sur Google, tu écris la dîme. Tu vas voir. La dîme, elle est connue. Hein. La dîme est populaire. C'est une fille qui est populaire. Vous riez.
Madame Nadim, elle fait quand les gens se plaignent que oh, mes choses ne marchent pas. Oh, le commerce a chuté. Tu ne parles pas parce que tu connais que si tu parles, tu ne vas pas mentir. Et la personne va dire que tu te moques d'elle. Tu vas dire que moi, mes choses marchent toujours bien depuis. Vraiment. Elle dit que ah, les choses sont déjà finies, l'argent déjà fini dans ce pays. Le commerce ne donne plus dans ce pays. Elle parle, tu l'as, on sera là. Tu ne parles pas. Elle dit n'importe quoi, tu l'as. Après, elle dit que tu, non, c'est vrai, non, c'est vrai, non. Tu la regardes comme ça là. Parce que pour toi, everything has been good. Pendant que les gens chutent, toi tu montes. Écoutez, il n'y a pas une machine qui aspire l'argent d'un pays. Hein. Et même si ça finit dans ton pays, tu appelles ça de Meng, ça vient. C'est comme ça qu'elle fait souvent. J'ai dit, argent vient de Meng, vient de partout dans le monde. L'argent fait que ça court. Ça vient toquer à ma porte. La gym, la gym, la gym, mais je vous sors. Oh my god, on a écrit le badjou ici là. Et mais je vous sors. Bon, piabé. Si quelqu'un n'est pas badjouné dans le direct, là, il va se sentir négligé. Il dit que la fille, cela me néglige. Tu dois juste croire que dans Douala, pendant que les gens se plaignent, toi, tes choses avancent. Isaac a prospéré pendant la famine. C'est pour ça que tu dois savoir où Dieu veut que tu sois. Quand moi, je suis quitté de l'Europe pour venir en Afrique, j'ai dû me connecter avec l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Guide-moi, Seigneur, je dois aller où? Il va en Afrique. 3 semaines plus tard, 2 semaines et demie plus tard, je suis en Afrique. Dès que tu trouves la localisation géographique de ta chose, de là où tu dois être, tout le reste est, ça vient, ça vient, ça vient. Il y en a parmi vous, vous vous battez, vous souffrez dans le pays où vous êtes. Quelque chose te dit que rentre. L'histoire d'Isaac. Attendez, je vais allumer le téléphone ici. Je crois que j'ai laissé ma Bible de l'autre côté. Isaac, dans Genèse chapitre 26. Isaac est dans un pays, il y a la famine. On vient lui dire que, gars, Isaac, il faut qu'on move. Il n'y a plus les dos ici. Isaac dit que, vous savez quoi, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Je fonctionne avec le Seigneur. Attendez, pas d'abord demander. On croyait que vous êtes les seuls à consulter là. Isaac, pas consulté. On va lire ensemble. Moi, vous savez que je n'invente pas moi les choses. J'aime la Bible. Parce qu'il y a mes frères dedans. Ils ont fait pour eux, moi, m'avaient fait pour moi. Je vais apparaître dans la Bible bientôt. Bible version 2025. Okay. Donc, on va prendre Genèse 26. Right, on commence la lecture. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Chaque enfant de Dieu a eu son expérience personnelle avec Dieu. Vous êtes en train, je vous enseigne comment apprendre à écouter la voix de Dieu pour vous-même. La foi de ta mère ne te portera pas. La foi de ta femme et de ton mari ne te porteront pas. Donc, et Isaac alla vers Abimélec, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Oyoa, Chosog. Ok. Les gens qui écrivent le Badjoun l'a écrivé. Ça, c'est pour le bateau femme.
ne descends pas en Égypte, descends dans le pays, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3, Genèse 26, séjourne dans ce pays-ci. Et il lui, oh God, this is good, this is sweet, oh my God. Ça, c'est très important. Je serai avec toi. Reste là où Dieu est, ne reste pas là où il y a les papiers. Vous avez suivi ce qu'elle dit? Cherche là où Dieu est avec toi. Pas là où on te dit qu'il y a le Ngunda. Voilà votre problème. Et c'est que ça va énerver les gens qui attendent qu'on réponde à le Ngunda là. J'attends mon Ngunda. Ça fait 4 ans que tu attends, non? Attends toujours. J'ai dit seulement ce que j'ai dit. Je n'ai rien contre vous. Les Ngundeng là, attendez vos Ngunda. Bon, continuons. Je serai avec toi et je te bénirai. Ça, c'est les mêmes promesses qu'il a données à Abraham. Quand Abraham commençait son film avec Dieu. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Il continue encore ses promesses. Je multiplierai ta postérité, Jocelyne. Mouah! Thank you, Jesus. C'est comme ça que Dieu me parle. Il me parle comme des blagues, comme ça. Demain, quand je vois un nouveau truc qui sort dans ma vie, il dit que, hey, il m'avait dit ça. La semaine passée, il m'a dit ça. Oui, il m'avait dit l'autre là. Et singa. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça ressemble beaucoup à la promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse 12. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu aime ça. Je crois qu'hier, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé du focus. Ne pas regarder à gauche, ne pas regarder à droite. Et Isaac resta à Guérar. Verset 6. J'aime la partie ici. Oh my God. Genèse 26, verset 6. Et Jocelyne resta en Afrique. C'est là. On doit faire une pause de 20 secondes. Vraiment. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing, my God is good. Oh, congratulations. Je sens tellement l'esprit en moi que si il touche quelqu'un, même mes paroles, si je sens que ça, vous sentez ça en vous. Je sens trop de puissance en moi ce soir. Sing the Lord has his good. Congratulations. Congratulations, you have seen the glory of God. Félicitations, tu as vu la gloire de Dieu. Oh, ah, ouh. Il l'a fait pour toi. Maintenant, tu vas revenir avec un chant. Et tu vas dire que notre Dieu est bon. Pour payer ta dîme du Gabon, il y a le numéro sur la page. C'est le 0741-074-18-0080. Et le nom, c'est Joseline. Et je bénis ta dîme, Félicia. Et toute autre personne. Il y a PayPal. Tous les détails sont sur la page. En haut de la page. Je ne vous écrirai pas. Il y a les scammers qui écrivent aux gens. Moi, je ne vous contacterai pas. Vous avez suivi?
Si tu m'écoutes, ça te parle, tu veux payer ta dîme, tu payes. Tu veux pas payer, ne paye pas. OK? Voilà. All right. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing. My God is good. Oh, congratulations. Le song s'appelle Congratulations et c'est Ada qui chante. Donc écrit ADA espace. Dès que tu écris C, ça va sortir. Congratulations. Voilà. Donc, on disait Isaac, Genèse 26. Et Jocelyne resta. Et Jocelyne resta dans le pays que Dieu lui a dit non. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, ils disaient, oh, c'est ma soeur, nanana. Ok, comme son séjour se prolongea, nanana. Bon, il y a eu, quand il est resté là-bas, je veux qu'on parte au verset 12. Là, c'est les problèmes personnels d'Isaac. Verset 12. Isaac sema dans ce pays. Donc, Jocelyne sema dans ce pays. Donc, elle a investi son temps, son argent, ses prières. Elle a espéré. Elle a établi un business. Elle vendait des choses aux gens. Pardon. Et elle recueillit cette année le centuple. Ouh! Oh my God. I feel like shouting. I don't know. I feel like... Je sens que ça, c'est 2023. Parce que ça, ça s'est passé en 2022 dans ma vie. Je sens que 2023, ce sera encore... Waouh! Écoutez ceci. Jocelyne resta... Bon, mettez votre nom, hein. Bon, voilà. Jocelyne... Je ne sais pas de quel son tu parles, je ne sais pas. Ce matin, la chanson que j'ai mise, c'était ma chanson. Je ne l'ai pas encore publiée, ok? Ma chanson est encore privée. Je ne l'ai pas mise sur les réseaux sociaux encore. Ouais, bon, je ne sais pas encore sur les réseaux sociaux. Ok, bon. Écoutez bien ça. Jocelyne sema dans ce pays et elle recueillit cette année le centuple car l'Éternel l'a béni. Car l'Éternel l'a béni. Si tu es payé par semaine, paye ta dîme par semaine. Si tu dans ton business, tu touches l'argent chaque jour, mets un peu d'argent chaque jour de côté. Et après, tu peux payer par semaine ou tu peux payer même par jour. Si ce n'est pas fatigant pour toi. Et cette femme, oh, vous devez. Imprimez-moi ça, vous mettez sur votre mur quelque part. Et cette femme devint riche. Oh, j'aime ce mot. Oh my God. Dites encore. Et cette femme devint riche. Oh my God, this is so good. Oh my God. Non, la conférence de demain, là, je vais devenir folle devant vous. Ok, seriously. Et cette femme devint riche. Ce n'est pas fini, hein? Quand tu deviens riche, ce n'est pas fini. Oh my God, j'ai envie de pleurer. Je sens vraiment que ça, c'est ma parole. I just feel like this is for me. I feel like this is for me. Thank you, God, because you keep blessing me. Thank you, God, because you keep confirming your word into my life. Thank you so much, Lord. Thank you. I receive this word, oh Lord. I receive this word in the name of Jesus. Vous devez connaître quand votre parole vient. Quand ça vient, ça te touche. Tu sens que ton corps est en train de, ton ADN est en train de se métamorphoser. Tu sens que ton ADN se métamorphose comme ça là. La parole transforme. Ça fait que tous les mauvais esprits du pays là, ils sentent que la fille a changé. Ils sont là. Oui. Tous les gambiards, les sorciers qui te guettaient là, dans la nuit, ne passent plus chez toi. Oh my God. Franchement, je ne sais pas si vous sentez ce que je sens. Oh my God. Il y a une onction ce soir. Oh my gosh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for the money that is flowing tonight. Merci pour l'argent qui est en train de couler ce soir, Seigneur.
Merci pour les nouvelles dimensions financières. Merci pour les nouveaux business qui vont créer à partir du 1er janvier 2022. Merci pour les nouvelles entreprises qui seront enregistrées à partir du 1er janvier 2022. Merci pour les business qui seront ouverts à partir du 1er janvier 2023, pardon, 2023, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. 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 Merci pour les nouveaux territoires qui vont conquérir en 2023, Seigneur. La parole si est sucrée, c'est comme le miel dans ma bouche. Et cette femme devint riche. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand tu deviens riche, ce n'est pas tout. Et elle alla, s'enrichissant de plus en plus. Oh my God, mes voisins vont dire que je suis. Oh my God, oh my God. Thank you, Jesus. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a les dimensions financières. Qu'avant, il y a les chiffres qu'avant, quand vous entendiez ça, vous faisait peur. Maintenant, ce sera conversation courante avec votre banquier. Le banquier va dire, oui madame, vous voulez qu'on transfère 70 000 euros, 800 000 euros. Ok, d'accord madame, le transfert sera fait. Oui madame, les 500 000 euros vont arriver dans votre compte. Vous voulez qu'on mette sur quelle carte? La gold ou la platinum madame? Congratulations. Oh my God. Généralement, je ne reçois pas mes paroles devant les gens, hein, parce que, it's kind of private, you know. But this time, I feel like I'm not the one, the only one. Je sens que je ne suis pas la seule. Cette femme devint riche et elle alla s'enrichissant de plus en plus. Écrivait de plus en plus. Écrivait de plus en plus. Écrivait de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Ericia, pourquoi tu finis vite comme ça là, non? Et que quand tu digères, ok, j'ai reçu ton argent que tu as envoyé. Je bénis cette dîme que tu viens de payer. Je déclare que tout ce dont tu as été délivré est confirmé au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun démon qui est sorti de ton corps ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Que cet acte d'obéissance te délivre de la pauvreté familiale. Je crois que dans votre famille, il y a un plafond financier. Donc tu viens d'être délivré de ce plafond financier au nom de Jésus. Écoutez, il y a des choses qu'en 2023, là, si on te convainc encore de faire, ma chérie, laisse tomber. Bêta, tu laisses. Tu as compris? Laisse, va rester sur tes 1500 pounds de salaire. Va toucher tes 1500 pounds, tu laisses les gens tranquilles. C'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Just go and get your 1500 pounds. You leave people in the 150,000 pounds. Yes. Elle alla. Donc, ça veut dire que tu marches, tu ne fais que t'enrichir. Elle alla. Elle ne restait pas sur place. Elle ne s'asseyait pas. S'enrichissant de plus en plus. Donc, je vois quelqu'un que tu es en train de marcher. On ajoute ton corps. On ajoute sur ton corps. Tu marches, on lance l'argent sur ton dos, pap. Tu marches, on lance l'argent dans ton sac, pap. Tu marches, on lance sur ta tête le diamant, pap. Et qui est? J'aime visualiser la Bible. Hein. J'aime visualiser la Bible. La Bible, dans la chanson que j'ai chantée, j'ai dit, The Bible is not just a book. It's power waiting to be activated. La Bible, ce n'est pas seulement un livre. C'est le pouvoir qui attend qu'on l'active. Le jour-là, j'ai écrit la chanson, c'est en décembre 2021. Décembre 2022, quand je chante ça, je sens comment les paroles prennent vie dans moi. Et j'ai dit dans cette chanson que tu seras le premier milliardaire de ta famille. You will rise to be the first billionaire of your family. Je vais encore vous mettre la chanson, vous allez écouter. Vous voyez que je suis tout inversé, non?
Quand il lit la Bible, je mange la Bible. Je ne suis pas pressée. Elle alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'elle devint fort riche. Extrêmement riche. On va regarder dans ton pays, dans ton continent, dans le monde entier. L'autre jour, je regardais le classement des hommes les plus riches du monde. Et quand je regardais, Dieu commençait à me parler. Mais Dieu, regarde, regarde les sommes. Tu as vu? Je dis oui. Il dit que ça, c'est rien, c'est rien. Apprenez à converser avec Dieu. Donc, tu es seul dans ta chambre comme ça, là. Dieu te parle. Tu reçois. Pourquoi Dieu a parlé avec Abraham comment? Pourquoi Abraham était à l'église, on faisait le service, on chantait, on dansait, on priait en langue. Après, Dieu a prophétisé sur Abraham? Non. Abraham était dans sa chambre. Ou bien il était dehors quelque part. En tout cas, il était seul avec Dieu. Dieu a commencé à parler. Il a dit que... Il a saisi. Il dit, ah! This is for me. That is my word. I grab that word in the name of... Bon, il n'y avait pas encore Jésus le temps là. In the name of God. I don't know. I'm just guessing, ok? Oui, je devine seulement au... Bon, les francophones, vous allez apprendre l'anglais avec moi. On continue la lecture. Il y avait des troupeaux. J'aime bien quand on décrit la richesse de quelqu'un. Abraham faisait dans tout. Isaac faisait dans tout. Vous que vous faites dans un business, vous êtes... Il ne veut pas faire plusieurs business. Il ne veut pas m'envoyer. Venez voir l'agent de Isaac ici là. Il avait les troupeaux de menu bétail. Des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs. Les Philistins, les déceptifs qu'on l'enviait. Après le chef des déceptifs qu'on vient dit que pardon, quitte de notre pays, tu es trop puissant. Les gens vont venir vous chasser. On m'a écrit la lettre, on m'a dit que madame, votre compte est trop plein, pâté. On avait fermé les puits de son père. Il est venu, il a creusé de nouveaux puits. Verset 18. Il avait déjà l'argent, maintenant il se lance dans le creusage des puits. Il creusait seulement que les puits. Il creusait seulement. Il commence à creuser. La Bible, donc, tous les versets qui suivent, seulement creuse. Il creuse. Après, il bâtit un hôtel, verset 25. Et après, il creuse encore un puits. Ah, je suis rassasié de la parole. Mazonga. Amen. Je le donne-moi tout, tu mets sur ta langue avant de partir. Comme ça, tout ce que tu vas dire, il va te donner. Il y a les adeptes, tu donnes-moi tout ici, là. Les amis, tu donnes-moi tout, levez la main. Donne-moi tout, donne-moi tout. J'ai une de mes filles, là, elle ne juge que pas, donne-moi tout. Elle dit que jamais ça, mon donne-moi tout. Il y a l'autre qui appelle ça DMT. Elle dit que vraiment, les filles, là, vous êtes terribles. Chaque jour, elle met sur la langue, elle parle. Bon, moi, je vais vous laisser. Vous n'allez pas continuer à parler de mon argent et à manger mon argent. God is gonna make a way for you. J'ai envie d'écouter ma musique. C'est bizarre quand même. Ça chante dans ma tête. Donc, on doit mettre ça pour écouter. OK? On écoute une dernière fois pour la route avant de partir. Doesn't matter how many times you've been down. OK, silence. On écrit, maintenant on écoute. Doesn't matter how many times you've been down, doesn't matter the pain of being true. God is gonna make a way for you. He's not a man that he should lie.
Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he. Ma chanson n'est pas encore en ligne, yo. Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. He's not a man that he shall lie. King, you have to put your own crown. Cause Jesus paid the price. Now he gave you the power to build your own tower, to take dominion over all the powers of darkness. Watch every day and declare what you expect from your day, and move by faith and not by sight. Cause you're royalty. Jésus est entré dans ma vie comme un ninja, alors que j'étais sans papier et sans argent, cherchant le réconfort partout ailleurs sauf à l'intérieur de moi. Il m'a trouvé dans un foyer en tant que femme battue et il m'a dit: tu peux tout faire à travers moi car je te fortifie. Philippiens 4, verset 13. Tu es ma fille car tu es guidée par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Jocelyne, tu dois marcher par la foi et non par ce que tu vois. 2 Corinthiens 5, verset 14. Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he shall lie. Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he shall lie. Queens. You can't believe what they say. You're worth more than your mistakes. Pick up yourself and stand straight. You've been too far to go back. Set up your plans and focus. The Lord is watching over you. They will see you rise to be the first billionaire of your family. Whatever you believe will surely come to pass because you're one with God. Ouh! Voilà la partie dont je vous parlais, non? Je disais ceci. Que tu vas t'élever et tu vas devenir le premier milliardaire de ta famille. Que tout ce que tu crois va s'accomplir. Oh my God! This is my word today. The Bible, you see, is not just a book. It's power waiting to be activated. You don't just read it casually. You become one with the one. The power that raised Jesus from the dead is waiting inside of you. You have to read and agree. And you will see your transformation today. The prophecy is being fulfilled right now. Joel chapter 2 verse 28. Today the Lord is spreading his spirit upon all flesh. Sons and daughters are prophesying. Old men are dreaming. Young men are seeing visions. Whatever God has put in your heart, it's time to move and accomplish it today. Luc chapitre 4 verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi, Jocelyne. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle. Sors de ta pauvreté, roi. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers. Sors de ta prison, reine, car tu peux tout accomplir. Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he should lie. Doesn't matter how many times you've been down. Doesn't matter the pain you've been through. God is gonna make a way for you. He's not a man that he should lie. Ma deuxième chanson, ce n'est pas tant que je vous la fasse écouter parce que le fichier n'arrive pas à être lu sur ce téléphone. Donc je sens qu'il faut que je vous prépare. Je crois que demain le premier, je vais vous faire écouter la nouvelle chanson. L'autre là, c'est la bombe. Franchement, les deux chansons,
Un soir, je suis restée comme ça. J'étais dans une période où je devais prendre des décisions très importantes. Et là, je reste au Seigneur, il me dit, va écouter tes chansons. Il me dit, hein? Il me dit, va écouter tes chansons. Je pars, je mets la chanson, j'écoute. Ça me parle. Je dis, what? Waouh. C'est carrément comme des prophéties. C'est comme je prophétisais. Et je me fortifie en même temps. Doesn't matter how many times you've been down. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé. Doesn't matter the pain you've been through. Peu importe la quantité de douleur que tu as traversée. God is gonna make a way for you. Dieu va créer un chemin pour toi. He's not a man that he should lie. Il n'est pas un homme, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il faut que tu commences à te comprendre que Dieu n'a pas besoin de t'impressionner. Quand Dieu te donne une parole, ça résonne avec ton cœur. C'est pour toi seul. C'est pourquoi tu prennes la parole là, tu marches avec. On te demande que tu pars où? Dieu m'a dit que je serai milliardaire. C'est quoi votre problème? Tu continues ta route. This is it. That's how it is. Et au début de la chanson, je dis, you have to put your own crown because Jesus paid the price. Tu dois mettre ta propre couronne parce que Jésus a déjà payé le prix. Now he gave you the power to build your own tower. Il t'a donné le pouvoir de construire ta propre tour. To take dominion over all the powers of darkness. Pour prendre autorité sur tous les pouvoirs de ténèbres. Wash every day and declare. Lave-toi chaque jour et tu déclares. What you expect from your day. Ce que tu attends de ta journée. And move by faith and not by sight. Et bouge par la foi et non par ce que tu vois. Cause your royalty. Parce que tu es une royauté. Et dans la deuxième partie, où c'est en anglais à nouveau, je dis queens, c'est-à-dire j'ai mélangé roi et reine, queen and kings, ça fait queens. You can't believe what they say. Tu ne peux pas croire en ce qu'ils te disent. You're worth more than your mistakes. Tu vaux mieux que tes erreurs. Pick up yourself and move forward. Ramasse-toi, 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 lève-toi, avance. Et après, je dis, you will rise to be the first billionaire of your family. Tu vas t'élever, tu vas devenir le premier milliardaire de ta famille. Écoutez, hein, moi-même, c'est là, je suis un visionnaire. Je suis un prophète. Dieu, pourquoi tu m'as créé comme ça? Why? Why did you do me like this? Hein, God? Mais je sais qu'il m'a envoyé pour vous, vraiment. Dieu ne va pas m'envoyer seulement pour moi. Je ne suis pas là seulement pour moi. Dans la deuxième chanson que je vais vous faire après, demain soir, je parle du fait que je suis allée de maison en maison, je traînais mon enfant, je travaillais avec elle. They buried me, they grew up. Ils m'ont enterré, mais j'ai grandi. Ils m'ont enterré. Et quelqu'un croyait qu'il m'avait enterré dans la terre, j'ai poussé. I'm an oak tree and cover the world. Je suis devenu un chêne et je couvre le monde. Laissez seulement. Laissez seulement. Vous allez apprendre l'anglais dans ma chanson, là, en tout cas. I'm an oak tree and cover the world. They bury me, but I grew up. Et quand j'entre en studio, généralement, hein, au début, je ne sais même pas ce qu'il avait dit. Je commence comme ça, les paroles commencent à venir, ça vient. Après, je mets, je dis, ok, ça vient. Je me dis, quand je rentre, je vais toujours les paroles que je dis. Je veux que mes chansons soient les chansons de Bentley, de Lamborghini. C'est pour ça que je fais du rap, généralement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime faire du rap. Parce que c'est, quand tu es dans la grosse voiture, c'est le rap qui donne, ça fait boum, 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 oui. Mm-hmm. Ceux qui me connaissent, connaissent. Vous savez, vous me connaissez. J'ai encore des faux désirs cachés que vous, peut-être vous me connaissez, vous croyez que je suis très calme, mais non, je ne suis pas calme. On va déranger le monde.
We're going to disrupt people. We're going to disrupt people. On va déranger les gens. Comment dit que tu as appuyé sur déranger? Mais la femme de 40 ans, là, elle veut montrer que quoi? C'est à 40 ans que ta puberté commence. Oui. C'est à 40 ans qu'elle veut voyager. Toutes les semaines, tu es dans un nouveau pays. Ah, elle veut nous montrer que quoi? Ne vous dérangez pas. C'est ma puberté, laissez-moi. Puberté. Puberté retardée. The baby me, I grew up. I'm an oak tree. I cover the world. Après, je dis, I got to release all of my gifts. Je dois relâcher tous mes dons, tous mes talents. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. God, the Spirit of the Lord is upon me. Il y a les choses de vous que vous devez déclarer au monde. Quand vous déclarez qui vous êtes, vous parlez d'abord à vos Decepticons, vous parlez aux ténèbres et vous parlez à la lumière. Ouh, elle sait qui elle est. Oh my God. She knows who she is. Why? Comment? On avait caché à la fille qui elle est, non? On a fait que sa mère meure vite, non? On a tué sa mère vite pour que sa mère ne lui dise pas. Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir? How? On allait la cacher là-bas, on a fait qu'elle n'ait pas les papiers, comme ça elle ne va pas savoir qui elle est. On a fait qu'elle grandisse dans la pauvreté pour ne pas savoir qui elle est. Comment elle a fait pour savoir qui a fuité l'information? Oh, oh my God. They don't know. They don't know. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Cette parole, je dis que « They bury me, but I grew up ». C'est là où on t'a enterré que tu as grandi. C'est là où on te met, on t'enterre. Oh, Jocelyne est finie. Jocelyne est finie. Mais ça fait 3 ans qu'on n'a pas de ses nouvelles. Ça fait 6 mois qu'on ne voit plus. Oh. J'étais en train de germiner. Germination. Jamais. En anglais, on dit « germinate ». Je ne sais pas comment on dit en français. C'est germer. C'est germer, c'est bien. Oh, qui envoie les têtes de mort là? Envoie encore. J'aime beaucoup les têtes de mort parce que je travaille avec les morts. Vas-y encore. Envoie encore les têtes de mort, s'il te plaît. C'est sûrement une femme qui est très jalouse, très aigrie et très pauvre. Donc, envoie encore les têtes de mort, je t'en prie. J'aime beaucoup les têtes de mort parce que de toutes les façons, on va tous mourir. On va tous mourir. Oh my God, qu'est-ce qui peut bien m'énerver? Ok. On t'enterre, on t'oublie. On revient quelques années après, on voit un arbre là où on t'avait enterré. Ce n'est pas la fille de la couturière là. Sa mère était couturière, non? C'est comme ça qu'ils ont dit avec Jésus. Ce n'est pas le fils du charpentier là. Le menuisier qui est au quartier là. Mais sa mère avait la vente ici là. La vente a emporté ici là, non? Comment ça se fait qu'aujourd'hui? Oh! Ils ont cru qu'ils avaient fini avec vous. Quand ils ont tué ta mère, ils ont tué ton père. Hein? Ils t'ont jeté en bain là-bas, dans un trou. Tu as passé 12 ans. Tu n'avais pas les papiers. Tu ne te rappelles pas? Tu as oublié ta souffrance. Tu es devenu que tu as oublié la souffrance que tu as vécue. Je suis là pour vous annoncer parce que quand vous sortez, hein? Dieu ne veut pas seulement que tu survives. Tu vas faire comme Isaac. Tu vas devenir riche. Tu vas continuer de t'enrichir. Tu vas devenir fort riche. Il y a les degrés de richesse. Extrêmement riche. On va commencer à compter tes biens. Bon, elle a les biens dans ça. Elle a dans le Bitcoin. Elle a les terrains. Elle a les immeubles. Elle a les voitures. Elle a les restaurants. Ça arrive. 2023, vous allez vous choquer. Vos Decepticons vont avoir la crise cardiaque. 5 fois par jour. 5 times a day. Yes. I'm like, oh, crise du matin, 8h. Oups. Réanimez-la. Oh, quand tu connais qui tu es, c'est comme Superman dans le film. Tu mets ta cape comme ça là. Tu mets ton habit de Superman. You're just like. J'ai ouvert un magasin. Vous étiez en train de parler. 2023, je vais ouvrir dans 3 autres villes.
Vous n'avez encore rien vu. Vous me jalousez. Vous me détestez. Prenez le popcorn, vous vous asseyez. You're gonna choke 5 times a day. Tu vas t'étouffer 5 fois par jour avec ton popcorn. Elle est insolente. Ils ne peuvent rien te faire. Avant, tu ne te connaissais pas. You didn't know yourself. Parce que la Bible a dit que tant que le roi reste un bébé, on ne peut pas lui donner le royaume. Maintenant, ils viennent même dans la nuit, tu les tapes. Tu les fesses correctement. Tu les gifles, tu coupes leur tête, tu jettes. Ils sortent, ils arrivent chez toi. Eh, la fille est devenue forte. Hein? Avant, on la poursuivait, non? On la poursuivait, elle fuyait, non? La reine Jocelyne a travaillé dans votre esprit. Je vais formater vos esprits là. Même dans le rêve, tu vas rester comme ça, tu vas les gifler gauche, droite, left, right, center. Tu te réveilles la nuit comme ça. On dit c'est quoi? Je viens de taper 2 femmes dans le rêve comme ça. Mon fils, je viens de taper comme ça là. Le lendemain, ta tante te bloque. Elle ne t'appelle plus. Elle sort du groupe familial. Ruby, si tu veux te plaindre, vraiment, je n'ai pas le temps de plaindre ce soir. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas rentrer dans vos tristesses. I just can't. Je ne suis pas dans le mood de tristesse. I just can't. Il n'y a pas d'espace dans mon esprit pour la tristesse ce soir. Vous avez suivi, non. Il n'y a pas d'espace. Merci, Ghislaine. Quand tu te réveilles, oh. Tout ce que tu vas recevoir commence dans le spirituel. Tu dois d'abord voir. Tu restes comme ça, tu vois dans ton esprit. C'est comme ça que ça commence. Et quand tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de parler. Mais elle se prend pour qui cette fille? Oh, je ne me prends pour rien, je suis juste moi. I'm just me. I'm me. Like, I'm just me. I'm not stepping in on anybody's shoes. I'm not stepping over. I'm just being me. J'ai juste découvert qui je suis. Maintenant, je n'accepte rien de moins que qui je suis. I don't take bullshit. Je prends plus des conneries. Une tante ne t'arrange pas, tu la mets à sa place. Elle vient dans la nuit, tu la tapes. Dans la journée, tu la tapes. On t'invite au mariage de Decepticon, tu ne pars pas. Oh, viens faire acte de présence. Tu sais que tu es ma fille, non? Même la mariée ne veut pas que je vienne. Je ne vais pas faire quoi? Je ne viens pas. Tu me comprends? Dans la famille, on commence à parler de toi. Elle est devenue insolente. Non, 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 non. Je vous connais maintenant. Maintenant, je vous connais. Et je n'ai plus peur de vous. Une fille, je consulte une fille l'autre jour, elle me dit que j'ai que la bêtise, on ne fait pas ça, on ne fait pas ce qu'elle va, je vous dis qu'elle a fait là, on ne fait pas ça. Ouais, je sais, ma tante m'a toujours bloqué, je l'ai même appelée, je suis allée la voir pour lui demander pardon, que si je lui ai fait quelque chose de mal, qu'elle me pardonne. J'ai dit, tu es bête. On ne fait pas ami-ami avec le diable. Tu connais que quelqu'un t'a bloqué depuis ton enfance, qu'elle a bloqué ta mère, gâté le mariage de ta mère. Elle gâte ta vie. Tu l'appelles. Tu peux la voir. Tu t'agenouilles, tu demandes pardon. Tu lui as fait quoi? Oh, ma fille. Et devinez comment la mère a réagi. Oh, ma fille. Tu as même dit que je ne te fais rien de mal, non? What? You crazy? Crazy you are. Milano, bonsoir. Je ne sais pas là où ma part de bouche s'y sort. Je me mets ce qu'ils me disent de dire, je dis seulement. On ne négocie pas avec le diable.
on deal avec le diable. Il dit, ah, voilà l'erreur de Mboutoukou que tu as fait. Vous savez ce que c'est qu'un Mboutoukou pour les Gabonais? Les Gabonais connaissent même beaucoup de paroles des Camerounais. Peut-être les Béninois ne connaissent pas les Ivoiriens. Mboutoukou, c'est quelqu'un qui est bête. Tu es bête. Il dit que toi, tu es Mboutoukou, ma chérie. Tu étais Mboutoukou. Parce que dès que tu vas te tourner, tu vas partir. Elle dit, oh, comme elle vient devant moi s'agenouiller comme ça, ça veut dire qu'elle ne se protège pas. Ça veut dire qu'elle ne fait rien. Le soir de ce jour, elle est encore chez son marabout pour renforcer. Comment est-ce que quand tu vas te lever de chez elle, tu ne vas rien faire puisque tu es venu devant elle? Je m'excuse, tata. Yeah. Je sais que tu es comme une mère pour moi. Tu es folle. Tu es folle. Il y a les tantes que, à jamais et pour toujours, elle ne sera ta mère. Accepte la réalité. Si ta mère est morte, ta mère est morte. Laisse-moi tout le reste là. Je lui ai dit que dès que tu t'es tourné là, ta tante, elle t'a touché. Tu négocies, je voulais m'excuser. On dit là avec le démon. Et tes batailles sont à tous les niveaux. Verbal, spirituel, physique. Tu arrives quelque part, tu n'as pas parlé. Hein. Seulement ta présence, ça les dérange. Et comment tu arrives? Toi, depuis que tu fais tes lavages là, non? Toi, depuis que tu fais tes lavages, toi, comment tu brilles? Bonjour, Bobo de Honolulu. Tu vois comment tu brilles? Il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose sur ton visage. Il y a quelque chose. Quand on te voit, tu es free. Tu es free. Oui, tu es free. Tu es libre. Quand tu t'assois comme ça là, dès qu'elle te voit, elle est mal à l'aise. Elle tourne. Infignant. Elle tourne comme ça là. Elle tourne. Elle te guette toujours tout comme ça là. La soeur de ta mère ou de ton père. La soeur, pas que c'est ta soeur. Tu ne traites rien avec elle. Elle a changé de couche. Elle t'a fessé quand tu étais petite. Aujourd'hui, elle veut ton mal. Comme si tu es sa co-épouse. Maintenant, au niveau des paroles. Tu es là à la réunion familiale, tu ne parles pas. Tu attends, elle parle. Hein? Elle parle. Je vais faire comme ça. Après, le président de la science te donne la parole. Aïe, ça la choque. Pourquoi on considère la petite fille ici? Pourquoi vous lui donnez la parole? Ils ont votre macabre, hein? J'ai votre A1. Je vous dis. Je vous dis que souvent, là, on sait comment ça fait le direct. On me donne tous les... J'ai comme un flash. Toutes les intentions de vos décepticons là, on vient télécharger ça dans ma tête. J'ai fait que 10 seulement. Je dis. Tu m'écoutes dans 6 mois, tu dis, ah! Oui. Tu dis 4 mots. Tu te tais. Ha! Hey! Quand tu parles comme ça là, ça calme tout le monde. Et vois comment les gens sont contents. Ça l'énerve. Pour rien, hein. Parfois, elle reste comme ça là. Ma vie me plaît, moi. La nuit, tu rêves, tu la vois, elle vient dans tes rêves. Elle veut te donner la nourriture. Tu soulèves la selle, tu verses. Ça l'énerve. Elle vient comme si elle veut bagarrer avec toi. Tu la tapes. Oh, yeah, Seigneur. Vous allez dire là avec vos tantes là. Oh non. Les tantes méchantes qui me regardent là, je vous salue. Si à ma papa ami, je vous salue. Si à mes tantes, je vous salue. Hey.
Laissez ma part comme ça. Moi, si là, moi là, comme ça, là, je suis un cas. Je suis un cas. C'est ça, non? Tu t'habilles, ça l'énerve, oui. Certains ont volé ta succession au village. La grand-mère ne leur a pas donné ça à toi, qu'on est venu donner toi, la petite fille. Ah. Elles ont tout manigancé pour prendre. Tout. La grand-mère en mourant que dit que donner à telle personne. Tout le monde a entendu. On sait que c'est toi la préférée de la grand-mère. On porte. On va donner à sa fille à elle. Malheureusement pour elle, c'est toi qui t'occupes de tous les petits-fils de la famille. Même les arrière-petits-fils. Tu es comme la grand-mère. C'est dans ton instinct, c'est dans toi. Quand tu parles, tes oncles t'écoutent. De temps en temps, tes oncles t'appellent. Voilà. Dis-moi un peu, tu penses quoi de ça? Quand l'oncle l'appelle, il dit, j'ai demandé à Jocelyne. Jocelyne a dit que, hein, vous avez trop écouté la fille là. Ah, ah. Mais tata, je suis restée, on m'a appelé, non? Est-ce que c'est moi qui les ai appelés? Tata. Tata, je n'ai pas appelé quelqu'un. On m'a appelé, on m'a demandé. Je suis là, je suis votre libératrice. Je vais vous libérer de vos... Vous allez les connaître, ils vont vous connaître. Genre, vous n'allez plus vous cacher. Vous arrivez quelque part, vous vous regardez. Vous ne vous saluez même plus. Moi, je me casse même plus pour saluer les gens là. Eh, pardon. Pardon. On vous avait méprisé longtemps, c'est vous qui n'aviez pas compris. Maintenant, vous avez appris à être égoïste. On dit que tu es méprisante. C'est le meilleur compliment qu'on peut te faire, ma chérie. Le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Égoïste, méprisante, narcissique, chiche. Le mot chiche est... Le mot chiche là est sucré dans ma bouche. Ouais, j'aime ça jusqu'à. Hi. Elle est chiche. Oh my God. C'est comme si tu m'avais dit que je suis la femme la plus belle du monde. Tu m'as donné le trophée. Oh my God. I love that word. Oui. Mm-hmm. Elle est chiche. Ne vous dérangez pas. Chiche n'est pas loin de riche. Chiche et riche, c'est pour rien que ça se ressemble. C'est pas pour rien. Je suis chiche et je suis riche. I am chiche and I'm rich. Et donc si tu vas rire jusqu'à ta part va venir. Quand vous arrangez vos pensées, peu importe le pays où vous êtes, peu importe l'argent que vous touchez actuellement, quand vous commencez à changer votre façon de penser, votre argent va augmenter. C'est une loi qui est irréfutable. Peu importe que tu aies les papiers, que tu n'aies pas, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois aux États-Unis, écoute ma chérie, commence à faire ça, tu vas voir, là, ton argent va venir, ça va rester. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous préviens encore qu'il y a des scammers qui se font passer pour moi. Je ne vous écrirai jamais. Et je pense qu'on scamme les personnes qui ne me connaissent pas. Parce que si tu prenais le temps pour écouter mes vidéos, tu saurais que je n'aurais pas le temps de t'écrire. Vraiment. Donc, demain, on commence à 20h. Demain, à partir de 10h, vous venez vous payer 25 000. Vous avez compris, non? Donc, payez ce soir. Vous avez ce soir pour payer et demain. Les numéros sont sur la page, que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun. Dès que vous payez, on vous met dans le groupe. Demain, vous allez recevoir le lien Zoom. Vous allez vous connecter et on va travailler. Bon, je vais vous donner le matériel que vous devez chercher demain. Je vais publier ça dans le groupe. Et puis, on entre dans la deuxième dimension de notre vie, dans la prochaine. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Oui.
Welcome into your new life. Your powerful life. Cathy et Foudou, mon visage t'est familier en Alsace. Oui, je vis dans beaucoup de pays en même temps. Actuellement, je suis au Gabon. Cette nuit, je serai au Canada. Mm-hmm. Je serai à Douala. Mm-hmm. Je serai même à Honolulu. Je pars là-bas souvent soigner les gens dans la nuit. Donc, peut-être que tu m'as vu là-bas. Tu as compris, Cathy? Donc, si tu m'as vu en route, salue-moi seulement. Tu as compris? Tu me vois dans ton rêve, salue-moi seulement. Ok? Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for you. And you will come back with a new song to sing, my God is good, oh. Congratulations. 25 000 en euros, j'ai peut-être 40 euros, hein, un truc comme 40 euros. On vous passe une bonne soirée. Bonne journée pour les États-Unis et les Canadiens. Dormez bien. On va se retrouver ce soir dans le rêve. On va faire la réunion ce soir dans le rêve. Pour apporter la nourriture. Avec les gros baffles, on va danser dans le rêve. Bon, bye.